Hey, salut YouTube, c'est Zéro, j'espère que vous allez bien les potes. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Revenge Clan et en même temps sur la mienne pour parler de quelque chose qui, je pense, vous fera plaisir. Et pour cela, lâche un gros pouce bleu aussi pour le travail fourni et pour la nouvelle qui va suivre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui fait son retour, qui était avant sur World at War et qui fait maintenant son arrivée sur Black Ops 3. Je pense que vous l'avez deviné, c'est le Custom Map Zombie qui était sur World at War, mais maintenant ils l'ont fait sur Black Ops 3. Et attendez, écoutez bien, il sera disponible les potes sur le mode multijoueur. Donc en gros, tu pourras créer ta propre carte en mode multijoueur. Donc ça, je trouve vraiment ça cool. Après, d'autres informations sur cette carte, elle a été faite par ZCTKO qui a été tiré au sort par Treyarch. Franchement les gars, on va pas se le cacher, c'est un chanceux, car franchement moi j'aurais kiffé créer une carte. Créer ta carte, franchement les gars, c'est super fun à faire. En plus, si après elle sera en ligne, ça sera vraiment cool. J'espère qu'ils feront ça. Donc à ce que je sais en tout cas en ce moment, c'est qu'elle est en bêta. Donc ça a été créé en mars et je pense que ça fera son apparition dans quelques semaines ou quelques mois, je pense, avec le DLC ou autre, comme ils nous ont fait avec les sections. Donc voilà les gars, après il n'y a pas trop d'infos sur ce custom map. Donc franchement, je suis pressé qu'ils le mettent en œuvre, car c'est vraiment un truc assez sympa qui était sur World at War. Donc voilà les potes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne de la Revenge Clan et à la mienne si c'est pas fait. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Zéro. Ciao.